La fille de feu Alphonse Douati, désirée à rappeler les valeurs humaines qui ont caractérisé son père. C'était le 23 juillet 2022 lors de la cérémonie d'hommage organisée par le Parti des Peuples Africains, PPACI. La présidente de l'Association des femmes et familles des détenus d'opinion de Côte d'Ivoire, AEDOCI, Désirée Douati, par ailleurs fille de l'ex-ministre feu Alphonse Douati, a prononcé le discours de remerciement de sa famille. C'était à l'occasion de la cérémonie d'hommage organisée le samedi 23 juillet par le PPACI en hommage à l'ex-ministre décédé le 30 janvier 2022 à Abidjan. Alphonse Douati, un militant engagé pour la cause de l'ex-FPI et son président Laurent Gbagbo, dès l'entame de son propos, Désiré Douati a exprimé l'infinie gratitude de la famille à l'ancien président Laurent Gbagbo pour son soutien tant matériel, psychologique. Mesdames et messieurs, au-delà du président Laurent Gbagbo, Douati a été pour vous un ami, un frère, un camarade de lutte, un militant engagé, votre ancien secrétaire général du parti avec qui vous avez partagé des secrets, des moments de lutte intense mais surtout une fraternité à toute épreuve. Cependant nous, c'était notre référence, notre modèle, notre héros, notre pilier, notre histoire, mais aussi et surtout un père. Un père très aimant, attentionné et disponible malgré ses nombreuses charges, a-t-elle déclaré. Le ministre feu Douati ne posait pas seulement des actes politiques durant toute sa vie et même pendant la maladie, l'ex-ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales Alphonse Douati, à en croire sa fille Désirée, est resté constant dans son engagement aux côtés du président Laurent Gbagbo. Papa a tenu aussi à ce que nous soyons conscients des conséquences que cet engagement pouvait engendrer et ce, à tous les niveaux, a ajouté la présidente de l'AEDOCI. À travers toutes ces actions, le ministre feu Alphonse Douati ne posait pas seulement des actes politiques mais il nous apprenait surtout le sens du partage à ses enfants, a révélé sa fille Désirée. Lire aussi décès du ministre Alphonse Douati, Laurent Gbagbo, Mabri, Bictogo traduisent leur solidarité à la famille éplorée, ils prônaient l'unité, la cohésion et l'indépendance vis-à-vis des extrêmes et de la NSE, autour et pour le président Laurent Gbagbo. Sa résidence à Yopougon était celle de la GFPI, celle du parti. Papa qui a soigneusement installé les bases politiques de Yopougon, sa commune, veillait à ce que sa résidence soit un lieu de rassemblement du Front Populaire Ivoirien dans sa diversité et sa complexité. Mais également le lieu de rencontre du Front Républicain, a ajouté la porte-parole de la famille. Pour rappel, le ministre feu Alphonse Douati sera inhumé le samedi 30 juillet 2022 dans la stricte intimité familiale.